demanda Dieu de te dire quelque chose à toi. Au nom de Jésus, et toi qui nous suis en ligne, dis à Dieu de te dire quelque chose qui te parle sincèrement, qui parle à ton âme, à ton esprit, à ton être. Au nom de Jésus, ta parole est libérée pour nous faire du bien. Seigneur, utilise ma bouche et tu me massages à mon intelligence pour nous enseigner. Oh Seigneur, ce matin, ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, on peut s'asseoir dans sa présence. On va prendre le message, ça ne sera pas très long, ça va être très rapide. Parce que nous faisons une chrono de temps. Passons un peu, parce que des fois le dos là, j'ai toujours arrêté là, c'est compliqué. Amen. Donc le thème que j'aimerais aborder dans nos jeudis de victoire, c'est un thème que je pense qui est d'actualité. Alléluia. Et je pense qu'il nous concerne vraiment tous. Et moi je suis pour la parole de Dieu qui vient tout de suite rentrer dans ma vie et qui peut m'apporter quelque chose et qui correspond à mes besoins. Alléluia. Et le thème que j'ai aujourd'hui et ce que je dois développer, c'est chrétien et ambitieux. Chrétien et ambitieux, bon ou mauvais. C'est comme ça que je l'ai reçu. Chrétien et ambitieux, bon ou mauvais. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour un enfant de Dieu d'avoir des ambitions et d'être ambitieux? Alléluia. Alléluia. C'est très important de traiter cela et je pense que c'est quand même important. Afin que d'autres, chacun de nous sache la pensée de Dieu par rapport à cela et qu'il puisse se positionner. Généralement, quand on dit de quelqu'un qu'elle est ambitieuse, d'une personne qu'elle est ambitieuse, généralement ce n'est pas un compliment. Alléluia. Quand on dit cette personne est ambitieuse, c'est généralement. Quand on dit d'une personne qu'elle est ambitieuse, c'est un défaut qu'on touche. Quand on dit tu es trop ambitieux, tu es ambitieux, c'est un défaut généralement qu'on touche. Et être ambitieux n'est pas une bonne chose, généralement n'est pas très bien vu par la majorité des personnes, parce qu'on lie immédiatement l'ambition, le fait d'être ambitieux, à un désir égoïste et vorace d'atteindre ses objectifs, peu importe les sacrifices, peu importe les gens. Et du coup, ce n'est pas vraiment quelque chose, c'est une qualité ou bien un adjectif qui est très devenu rapidement péjoratif, que les gens qui ne valorisent pas ceux à qui on l'associe. Alléluia. Donc, on va parler aujourd'hui de est-ce que être chrétien est ambitieux, est une bonne chose? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bon d'être chrétien et d'avoir des ambitions personnelles pour sa vie sur cette terre? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Alléluia. Généralement, dans le sein de l'Église, lorsqu'on parle, quand on voit des gens ambitieux, des gens qui ont des ambitions, qui ont des projets, généralement, ils sont cassés très vite. On les prend pour des personnes charnelles. On trouve qu'ils ne sont pas spirituels et des fois ça casse. Alléluia. Et on ne dit pas des choses bien. Et dans certaines églises, des fois, quand tu as des ambitions, et on va tout de suite te casser, on va tout de suite te décourager, on va tout de suite minimiser ce que tu portes dans ton cœur, ce que tu espères réaliser. Parce qu'on voit toujours le fait que quand quelqu'un a un projet dans son esprit et une ambition, c'est pour finir dans la chair. Et quand vous lisez la Bible, on a quand même pas mal de versets qui nous parlent un peu du fait de ne pas trop rêver pour l'avenir. Donc du coup, beaucoup de chrétiens se disent il ne faut pas rêver pour l'avenir. On a Paul qui dit en Philippiens 3, 13, de verset 13 à 14, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu par Jésus. » Donc, il y a certains chrétiens qui disent, si on doit avoir une ambition, la seule unique ambition, c'est de chercher à être sauvé. Tout le reste, c'est que de la chair, c'est que du péché. Il ne faut pas aller vers tout ça. Et on a un verset aussi, Hébreux 13, 5, qui dit, « Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Et quand on dit « contentez-vous de ce que vous avez », c'est quand même une parole qui est un peu contradictoire à l'ambition. Alléluia. Parce que l'ambition, c'est de désirer quelque chose de plus. Amen. C'est de désirer quelque chose de nouveau. C'est de désirer quelque chose en plus. Mais la parole de Dieu nous dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, pour certains chrétiens, il ne faut pas rêver, il ne faut pas avoir des projets, il ne faut pas avoir des ambitions. Il faut juste t'accrocher à Dieu, vivre le jour, et puis Dieu va s'occuper de toi. Et quand tu commences à avoir des projets, des ambitions, alors tu passes pour quelqu'un de charnel et quelqu'un de pas spirituel. Donc du coup, le fait d'être ambitieux est très mal vu. On a un autre verset aussi qui confronte certains dans cette décision, certains chrétiens. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Dans cette parole, il ne faut même pas penser au lendemain. Amen. Quand on lit ça, on se dit,
faut pas réfléchir. Et il complète, il dit, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent comme ça. Ils vivent chaque jour suffit sa peine. Ils ne s'inquiètent plus du lendemain, et en fait, ils ne pensent plus au lendemain. Alléluia. Quand on va avancer, vous allez voir que ces versets-là sont compris dans leur mauvais contexte. Parce que ces personnes-là vivent, et puis à un moment de leur vie, les choses sont compliquées. Ils ont comme l'impression que Dieu les a abandonnés. Les choses sont difficiles. Ils ont comme l'impression que Dieu n'est pas avec eux. Et d'autres se frustrent pendant qu'ils sont chrétiens, ils jeûnent, ils prient, ils font les offrandes. Ils sont assidus à l'église. Pendant que ceux qui ne sont pas prospèrent et vont plus loin. Alléluia. Et de fois, par aigreur, on dit que oui, il a réussi parce qu'il a péché. Dès que au sein de l'église, quelqu'un commence à s'en sortir dans la vie, on dit il a certainement rentré dans une loge. Elle sort certainement avec un riche et elle s'est corrompue. Parce que cette personne-là, contrairement aux autres, s'est permis ou permise d'avoir une ambition. Est-ce que Dieu interdit aux chrétiens d'être ambitieux? Est-ce que cela veut dire que Dieu nous interdit d'être ambitieux? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord passer par la définition de l'ambition. C'est quoi être ambitieux? Être ambitieux, c'est d'avoir des ambitions. Et c'est quoi une ambition? Une ambition, j'ai trouvé deux définitions. C'est un désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose dans sa vie. Un désir ardent de posséder quelque chose ou de parvenir à faire quelque chose dans sa vie. Et la deuxième définition, qui est celle-là qui est collée au mot et qui est beaucoup plus restée sur ce mot-là, c'est un désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. Un désir ardent de gloire, d'honneur et de réussite sociale. C'est aussi une ambition. Ces deux réponses semblent être presque pareilles. Elles définissent le même mot, mais elles sont légèrement différentes. Alléluia. Ce qui va nous donner une orientation par rapport à notre enseignement. Donc quand on parle d'abord du premier, la première définition, désir ardent de gloire, d'honneur et de réussite. Ça, c'est l'essence même, ou bien je vais dire, c'est ce qui définit aujourd'hui l'ambition dans nos langages. Quand on dit quelqu'un est ambitieux, on comprend tout de suite qu'il a un désir ardent d'honneur, de réussite. Généralement, c'est plus de réussite. Mais d'autres vont plutôt dans l'honneur aussi, parce que quand on cherche la réussite, c'est aussi pour l'honneur, et des fois aussi pour la gloire. Alléluia. J'ai pour habitude de dire que s'il n'y avait pas les gens, les autres, et qu'on était seul au monde, il y a beaucoup de choses qu'on ne rechercherait pas. Alléluia. Parce qu'il y a plein de choses que nous recherchons à cause du regard des gens. Amen. Une toute petite maison peut te suffire à toi et ta famille. Mais quand tu construis une maison extravagante, des fois, c'est pour la gloire, des fois. Une voiture peut te déplacer à tout un lieu, mais quand tu prends une voiture de manière exceptionnellement extraordinaire, des fois c'est aussi pour le regard des autres. Alléluia. Donc, c'est un désir, dans la première, la deuxième définition, désir de gloire, d'honneur et de réussite. Alléluia. On veut être populaire, on veut être célébré, on veut être adulé, on veut être aimé, on veut être acclamé, on veut faire la gloire dans ce monde, on veut avoir les honneurs, les respects des gens. Et surtout avoir la réussite sociale, c'est-à-dire maison, voiture, mariage et beaucoup de choses. Okay? Donc plusieurs personnes, chrétiennes ou pas, ont secrètement dans leur cœur cette définition d'ambition. Alléluia. Amen. Ont secrètement dans leur cœur cela. On a envie de réussir. On ambitionne réussir. On ne veut pas avoir une vie au niveau qu'on a, on la veut plus. Et des fois, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont un niveau, ils veulent encore plus de niveau et ils sont ambitieux. À ce niveau-là, lorsqu'on a le désir dans notre cœur, on n'est pas encore au stade d'être ambitieux. C'est lorsqu'on commence à mettre tout en œuvre pour manifester l'ambition qu'on devient ambitieux. Parce qu'il y a des gens qui rêvent sans se mettre à l'œuvre pour leur rêve. Alors ces personnes-là ne sont pas encore ambitieux. Parce que quand tu es ambitieux, ça se manifeste maintenant dans les actions, les moyens que tu mets à ta portée pour atteindre ton ambition ou tes ambitions. Alléluia. Alors tu deviens ambitieux. Alléluia. Donc, on a presque tous envie de gloire. Qui ne veut pas être adulé? Nous tous, on veut être adulé. Qui ne veut pas de succès? Nous tous, on veut du succès. On veut de la réussite. On veut le bien de ce monde. On désire vraiment tout cela. Alléluia. Mais est-ce que nous péchons en ayant le désir de gloire? Personne ne veut construire une toute petite maison. Nous tous, on veut construire une grande maison avec beaucoup de chambres. Une chambre pour chaque enfant. Voilà. Personne ne veut, quand il pense avoir des voitures, personne ne veut avoir, alléluia,
Une toute petite voiture qui le déplace. Nous tous, on veut avoir une voiture vraiment qui impose. Alléluia. Amen. Et ça, c'est de l'ambition. Personne ne veut rester dans une dimension basse. Nous tous, on veut une autre dimension. Et dans les églises, quand le pasteur prêche, vous dit, je proclame une autre dimension sur ta vie. Les amens sont forts. Alléluia. Parce que les chrétiens aspirent toujours à une autre dimension. Ils ont des ambitions dans leur cœur. Mais est-ce que nous péchons en désirant plus de nos vies sur cette terre? Est-ce que nous péchons en désirant les choses de ce monde pour notre vie? Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un qui dit, pasteur, on ne pêche pas. Alléluia. On ne pêche pas parce que tu attends de décrire tout dans ma tête là. Il ne faut pas me dire à la fin que ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore reconnu. Amen. Amen. Alléluia. Mais reste tranquille, avançons. Amen. C'est qu'il est sûr, il y a une chose que Dieu veut te transmettre qui va t'équilibrer. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est dans l'équilibre de toutes choses. Il n'est à aucune extrémité. Amen. Il est dans l'équilibre de toutes choses. Et c'est ce qui fait que beaucoup s'égarent parce qu'ils pensent que Dieu est dans l'extrémité. En étant trop saint, il y a des choses qui vont pas se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit faut pécher de temps en temps. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que quand je dis trop saint, c'est des gens qui spiritualisent tout. Mais il y a des choses qui ne sont pas à la portée spirituelle. Elles sont à la portée des actions. Alléluia. Et il faut comprendre cela. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons sortir de la médiocrité. Nous devons comprendre l'importance de l'excellence et qui nous permet d'avoir accès à certaines choses. Amen. Amen. On va continuer. Donc, la deuxième définition, désir ardent de posséder quelque chose ou de parvenir à faire quelque chose de sa vie. Moi, j'aime bien cette définition-là. Un désir ardent de parvenir à faire quelque chose dans sa vie. Donc, cette définition, c'est d'avoir des projets. Quand tu as des projets, c'est de l'ambition. Quand tu as des projets, c'est de l'ambition. C'est-à-dire que tu les as et tu as ambition de les réaliser. Mettre tout en œuvre pour les réaliser. Ne pas vivre sans projeter, sans se projeter dans l'avenir. C'est penser à ce qu'on, sans penser à ce qu'on aimerait devenir demain, c'est manquer d'ambition. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Ils ont mangé aujourd'hui, ils ont payé le loyer aujourd'hui, c'est tout, c'est fini. Ils ne se projettent jamais devant. Ils ne pensent pas à leur vie devant. Alléluia. Donc, se fixer des objectifs, mettre tout en œuvre pour pouvoir les atteindre, rêver à un avenir meilleur pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage, se disposer dès maintenant pour pouvoir y avoir accès, c'est aussi être ambitieux. Dans la Bible, il y a des exemples de personnes ambitieuses. On a quand même le cas de Salomon. Alléluia. On a le cas de Salomon. Il avait pour ambition de construire un temple à Dieu. Le temple que son père n'a pas pu construire. Le père avait commencé, mais il n'a pas terminé. Mais Salomon avait eu pour ambition de construire ce temple-là. Et parce qu'il avait ce projet pour ambition, Dieu lui a permis de pouvoir construire. Salomon, c'était le fils de David. On a aussi Néhémie qui avait pour ambition de reconstruire les murailles de Jérusalem. Alléluia. Et on a vu qu'il a pu le réaliser. Alléluia. Nous avons malheureusement d'autres exemples qui ne sont pas bien. On a le cas par exemple de Aman qui avait pour ambition d'atteindre le haut sommet auprès du roi. Alléluia. Et il était prêt à casser du sucre sur le dos des gens. Mais malheureusement, il a été pendu, lui et toute sa famille. Oui, on avait bien sûr Absalom, le fils de David, qui avait pour ambition de prendre la place de son père, jusqu'à monter une armée contre son père, et il a cherché à le déstabiliser. Mais malheureusement pour lui, c'est lui qui est mort à la fin, parce que un des généraux de David l'avait tué. Alléluia. Mais il avait pour ambition de prendre la place de son père. Amen. Tout ça, ce sont des ambitions. Tout cela sont des ambitions, mais ne répond pas encore à notre question. Est-ce que le fait d'être chrétien, c'est mauvais d'avoir des ambitions ou d'être ambitieux? Je commence déjà par répondre, amen, par la première réponse qu'on verra aujourd'hui, parce qu'il y en a deux, d'accord? Être ambitieux n'est pas une mauvaise chose, je vous le dis déjà. Mais être ambitieux peut être aussi une mauvaise chose, je vous le dis aussi. Alléluia! En quoi être ambitieux peut être mauvais? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En quoi être ambitieux peut être mauvais? Après, je parlerai de l'important de l'être aussi. Parce que ce que tu n'as pas visé, tu ne peux pas l'atteindre. Alléluia. Et moi, je ne veux pas mourir ou partir de ce monde aigri. Et plusieurs leçons
Parce qu'ils n'ont pas su être ambitieux. Et ceux qui ont été ambitieux ont atteint des niveaux. Ceux qui ont été aventurés ont atteint des niveaux. Ceux qui ont voulu oser sont arrivés quelque part. Pendant que certains sont restés dans leur zone de confort, sans essayer d'essayer. Et ils sont restés là. Alléluia. Être ambitieux en tant que chrétien est mauvais dans un sens. Est mauvais à condition qu'on évite certaines choses. La condition 1, lorsque notre ambition est mauvaise, lorsqu'on est chrétien. Lorsque l'ambition que nous recherchons, plutôt lorsque notre ambition recherche notre gloire personnelle, c'est mauvais. Alléluia. Lorsque tout dans ce qui nous motive à obtenir ce qu'on veut obtenir, c'est pour que nous soyons élevés. C'est pour que nous soyons vus. C'est pour que nous soyons glorifiés. Alors il y a un problème dans notre ambition. Malheureusement, beaucoup recherchent des choses pour leur gloire personnelle. Et c'est là que l'ambition est mauvaise. Amen. Parce que la Bible dit en 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, on ne mérite à aucun moment d'être glorifié. Même notre intelligence nous a été donnée de Dieu. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? C'est-à-dire que tu ne peux pas te glorifier de quelque chose que toi tu n'as pas obtenu. Même la force que tu prends pour obtenir des choses ne vient pas de toi-même. Quelqu'un te l'a donné. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quand nous voulons obtenir des choses, nous ne cherchons pas les choses qui nous glorifient. C'est pour ça que la Bible dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Dieu n'était pas en train de le dire pour dire que je reste dans ton bas niveau. Il est en train de dire que ne cherche pas ce qui va flatter ton orgueil. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit clairement, Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueils. Alléluia. Donc quand ton ambition est pour ta gloire personnelle, est pour que toi tu sois vu, est pour que toi tu sois connu, est pour que toi tu sois félicité, alors il y a un problème dans ton ambition. Alors ton ambition est mauvaise. Et malheureusement, nous avons dans l'église des chrétiens ambitieux pour leur gloire personnelle. Quand ils commencent à chanter pour Dieu, ce n'est pas pour que Dieu soit connu, mais c'est pour que eux, ils deviennent des stars, ils soient connus. Quand ils commencent à enseigner pour Dieu, ce n'est pas pour que Dieu soit entendu, mais c'est pour que eux soient entendus et célèbres. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui de la popularité au sein de l'église. Nous avons des clubs chrétiens qui flattent l'artiste au lieu de flatter celui qui est derrière, le véritable artiste, celui qui a fait tout le monde et qui a créé toutes choses. Alléluia. Et les gens cherchent des choses pour être vus. Je vous assure, si on enlevait le désir d'être glorifié dans le cœur des gens, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne chercherait plus. Il y a beaucoup de choses vers lesquelles on ne courrait plus. Et il y a plein de choses qu'on prendra avec simplicité. Alléluia. Mais parce qu'on veut être connu et glorifié, plusieurs sont en train de courir vers les choses qui vont les donner, qui souffrent, qui sont malheureux parce que il veut être vu. Alléluia. Amen. Donc lorsque notre ambition est pour nous élever, nous glorifier, alors elle est mauvaise. Elle est mauvaise et c'est mauvais de l'être. Alléluia. C'est mauvais de développer cette ambition-là. Amen. Ça ne plaît pas à Dieu et ça ne glorifie pas Dieu. La deuxième mauvaise condition, lorsque l'ambition est égoïste et qu'il ne pense pas aux autres, mais qu'à soi. Et il y a beaucoup qui sont prêts à tout pourvu que ce soit eux. C'est en cela qu'on voit des gens qui trahissent. On voit des jeunes serviteurs prendre une partie de l'église de leur père, de celui qui les a aidés dans la foi, pour aller créer leur église sans avoir même mal, sans avoir de pitié. Parce que tout ce qu'ils veulent, ils pensent tellement à eux qu'ils ne réfléchissent pas. On voit des jeunes femmes arracher le mari de l'autre sans avoir pitié. Cette femme, ce monsieur, il était rien quand il a connu cette femme. Il lui a fait des enfants et les enfants sont là. Mais sans pitié, elle vient se positionner au milieu. Elle arrache cet homme-là parce qu'elle a ambition d'avoir un mari de cette calibre. Mais ce mari est déjà occupé, mais c'est ce qu'elle veut parce qu'il pense à eux. Alléluia. Lorsque notre ambition est égoïste, lorsqu'il ne pense pas à l'autre, quand tu veux quelque chose, rassure-toi que ce que tu veux là, sur le chemin de l'obtention, tu n'écrases pas des gens. Rassure-toi que tu ne détruis pas quelqu'un. Rassure-toi que tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Mais rassure-toi aussi que quand ça va marcher, que ce ne passe pas à toi seul que ça fasse du bien. Mais que ça fasse aussi du bien aux autres. C'est ça les bonnes ambitions. Alléluia. Mais le monde d'aujourd'hui, non.
J'ai entendu aujourd'hui, aide-toi, le ciel t'aidera. Non, 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 non. Ce n'est pas dans, déjà, ce n'est pas dans la Bible. Et puis, ce n'est pas bon. La Bible, le commandement, le second commandement le plus important, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc Dieu tient, accorde une grande importance au fait qu'on pense à l'autre. Au fait qu'on pense à l'autre. Il accorde une grande importance à cela. Et c'est avec ce genre de personne qu'il est vraiment. Lorsque ton ambition écrase les autres, lorsque ton ambition est égoïste, c'est mauvais. Alléluia. Donc on voit déjà que tu te maries, tu es pressé pour te marier, mais le fiancé avec qui ou la fiancée avec qui tu es n'est pas encore prêt. Mais tu ne réfléchis pas à ça en fait. Oh, depuis là, tu ne me maries pas, on dirait que tu mets la pression parce que tu penses à ton mariage à toi. Mais le mariage, c'est un mariage à deux. Alléluia. Si vous rentrez dans ce mariage-là, toi, tu seras content ou content d'avoir ce que tu veux, mais l'autre ne l'est pas parce qu'il n'a pas été prêt, il n'a pas été préparé. Alléluia. Et il y a plusieurs choses comme ça dans les ambitions. Donc, certaines personnes sont prêtes à marcher sur les autres pour y arriver, à tuer même. À tuer même. Et dans nos nations aujourd'hui, on voit comment d'autres détournent énormément pour eux. Mais encore, ils vont plus loin. Ils détournent le peu que l'autre a pour eux encore. Parce qu'ils veulent atteindre des sommets. Ils ont beaucoup d'argent, mais ça ne leur suffit pas. Ils veulent encore tout ce que l'autre a. Et ça, on appelle ça des mauvaises ambitions. Alléluia. Si dans ton boulot, quelque part, on te dit, fais juste ça, et puis on va détruire ce montant, après on va voir pour les autres, n'accepte pas. C'est une mauvaise ambition. Quand tu veux réussir quelque chose, rassure-toi que tu n'écrases personne en chemin. Rassure-toi que tu ne détruis la vie de personne en chemin. Rassure-toi que tu n'arraches rien à personne en chemin. Alors ton ambition glorifiera Dieu. Certains ne se préoccupent même pas des intérêts des autres. Ils fixent seulement ce qu'ils veulent. Et c'est seulement ce qu'ils fixent lorsqu'ils veulent obtenir. Et ils n'arrivent pas à réfléchir autour d'eux. Ils font des autres, des fois, les moyens d'atteindre ce qu'ils veulent. Et ça, c'est dangereux. Amen. Ce qu'ils veulent pour eux. Et ça, c'est dangereux pour atteindre les sommets. Alléluia. Ça a été le cas de Judas. Il était avec Jésus. Mais tout ce qu'il faisait autour, c'était parce qu'il voulait la faveur des chefs religieux et l'argent qu'ils avaient. Il était ambitieux. Il ne savait pas qu'il était en train de faire une erreur très grave. Il ne savait pas qu'il était en train de détruire une vie innocente, amener à la mort une personne qui n'a pas fait de mal, ni à lui et qu'il aimait. Mais des fois, quand les gens ont de mauvaises ambitions égoïstes, ils ne pensent pas à leur prochain. Ils ne réfléchissent même pas pour dire quand est-ce que et l'autre. Non, ils foncent, et des fois ils détruisent le chemin. Et ils sont fiers de le faire, et ils atteignent cela. La troisième condition mauvaise que on va voir, lorsque l'ambition est rattachée à l'amour du monde, l'argent, des choses de la terre, c'est l'ambition la plus fréquente. Ok, on aime tellement le monde qu'on se bat pour obtenir des choses. On se bat. Un enfant de Dieu doit tuer le monde et sa convoitise dans le cœur, parce que la parole de Dieu dit n'aime point le monde et ce qui est dans le monde. Ça ne veut pas dire de ne pas chercher, parce que les extrémistes disent qu'il ne faut même pas chercher. Oh, je dors dans une petite maison, ça me va. Ah, parce que des gens écrivent. Aimer le monde, ce n'est pas ne pas aimer le monde, ce n'est pas le fait de ne pas désirer, de ne pas avoir des ambitions de construire sa maison. Dieu lui-même, il a dit, Jésus, quand il partait au ciel, il a dit, je vais pour vous préparer un héritage. Donc, on comprend que dans le principe de Dieu, il est important à un père de laisser un héritage à un fils. Mais tu vas laisser un héritage à un fils si tu n'as rien pu construire ou rien pu faire. Alléluia. Donc c'est important pour un père de dire, moi je veux construire une maison pour mes enfants. Moi je veux faire ci pour mes enfants ou pour ma vie. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Donc quand notre ambition nous pousse vers l'amour des choses du monde, parce qu'il y a des gens qui aiment tellement le monde que tout brille pour eux. Ils sont prêts à tout pour ça. Ils aiment tellement les choses du monde. Ils aiment tellement l'argent aussi. Alors ils sont prêts à tout. Dans ce monde dans lequel nous vivons, beaucoup de personnes sont capables de beaucoup énormément de choses à cause de l'argent. Et malheureusement, les chrétiens, tu es venu avec Christ, tu as dit, tu vas te garder pur jusqu'au mariage. Mais cet homme riche qui a les moyens, qui peut s'occuper de toi, il va te faire changer d'avis parce que tu as besoin de son argent. La Bible dit à Marc 8, 36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il
un homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ton ambition te fasse rater le ciel. Que ton homme tienne un homme en échange de son âme. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, regardez puis désirez, l'orgueil de la vie, chercher des choses où les gens nous flattent, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et la convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Enfin, Nathan te dit que toutes tes ambitions attachées à l'amour des choses du monde passeront. Mais veille à ce que tes ambitions ne t'amènent pas à perdre ton âme. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres en Matthieu 6, 24. Car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et puis dit en Colossiens 3, 2. Affectionnez vos choses d'en haut et non en celles de la terre. Donc il ne faut pas que nos ambitions nous attachent. Vous savez, quand on se laisse aller, le monde est très attrayant. Si des gens même sont prêts à donner leurs propres enfants pour les choses du monde, comprenez comment il est attractif le monde. Mais faisons attention. Il ne faut pas que ce qui brille dans le monde nous pousse dans des ambitions qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Il faut chercher des choses, mais il faut que votre désir, vos projets soient sains devant Dieu. On va voir le 4e et puis les autres, on le verra jeudi prochain. Condition 4. Alléluia. Quand l'ambition nous pousse à faire des sacrifices que nous ne ferons jamais ou nous ne ferons pas pour Dieu, à faire des sacrifices, d'accord? Il y a des gens, pour leur travail, ils sont capables de se lever très tôt. Ils sont capables de donner tout ce qu'ils ont comme argent. Ils sont capables de faire des derniers efforts sur eux pour atteindre des buts. On voit des gens qui ne dorment pratiquement pas parce qu'ils doivent atteindre des promotions, des sommets dans leur domaine. Mais pour Dieu, ils ne sont pas capables de donner ces mêmes efforts. Pour Dieu, ils ne sont pas capables de faire ce même sacrifice. Ils sont capables de prendre beaucoup d'argent pour investir dans un projet. Mais ils ne sont pas capables de prendre ce même argent pour investir dans un projet de Dieu. Donc lorsque ton ambition te pousse à faire plus de sacrifices que tu ne ferais pas pour Dieu, ou que tu ne ferais jamais pour Dieu, alors cette ambition-là est un problème pour Dieu. Parce que non, Dieu est un Dieu jaloux. Même une femme, tu la maries, si tu t'investis plus dans tes enfants qu'elle, elle sera jalouse de tes enfants. Alléluia. Si tu accordes, Marie, que le travail vous nourrit, si tu prends plus de temps dans ton travail qu'avec elle, elle sera jalouse de ton travail, malgré que c'est ce qui vous nourrit. Alléluia. Et avec Dieu, nous devons le mettre en priorité de nos ambitions. Nous devons pouvoir être capables de faire des sacrifices pour Dieu. Énormément pour Dieu. Jusqu'à donner nos propres vies pour lui. Alléluia. Jusqu'à donner nos propres vies pour lui. Mais il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie. Moi, j'ai entendu des personnes qui sacrifient le nombre d'années qui leur reste. On dit, tu vas être grand et riche et populaire, mais on va retirer 15 ans de ta vie. Oui, retirer. Alléluia. Tu vas être nommé ou nominé, mais il faut que tu me donnes ton fils que tu aimes. Oui, prenez-le. Je n'ai pas dit de tuer ton fils pour Dieu, mais sachez qu'Abraham était prêt à donner son fils pour Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit de le faire, mais il était prêt à donner son fils pour Dieu. Mais il y a des gens, ils peuvent arriver à ce stade-là. Ils peuvent même tuer pour avoir. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour atteindre. Ils font beaucoup plus d'efforts sur eux pour les choses pour lesquelles ils sont dans leurs ambitions. Mais avec Dieu, ce n'est pas la même foule, ce n'est pas la même force. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un, pour que tu te maries, c'est vrai ça que beaucoup de charlatans, hommes de Dieu, charlatans jouent. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un, jeûne un jour pour te rapprocher de Dieu. Il va dire, c'est trop difficile. Mais quand on vient nous dire, mais Dieu me dit qu'il y a un mauvais truc sur toi. Et que si tu jeûnes 2 semaines, seulement tu bois l'eau seulement, la malédiction va disparaître. Mais ils vont jeûner 2 semaines. Avec facilité. Tant qu'ils peuvent obtenir quelque chose, ils sont prêts à tous les prix. Mais quand on leur dit c'est juste pour se rapprocher de Dieu, il n'y a pas trop d'intérêt à ça. Alléluia. Or, le meilleur sacrifice que nous devons faire de nos vies, c'est de nous rapprocher de la source de tout.
Parce que des fois, le vrai secret de la vie, c'est de se rapprocher de Dieu, de la source de tout. Et si tu as la, tu as au point de la source, tu n'as même plus besoin de demander. Elle va se déployer sur toi. Mais les gens n'ont pas compris. Mais ils sont prêts à tout faire pour obtenir. D'autres, parce que j'aime la fille, tous les sacrifices, leurs parents même ne voient même pas un pied de leur 10 000. Mais la fille, il la lave avec tout l'argent qu'ils ont. Parce qu'il veut l'avoir. Dieu, on n'en parle pas. C'est de la mauvaise ambition. Alléluia. Être ambitieux, mais il ne faut pas que ton ambition te pousse à faire des sacrifices que tu ne feras jamais pour Dieu. Alléluia. Que ça te pousse à faire des sacrifices que tu ne feras jamais pour Dieu. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Jeudi prochain, on va pouvoir continuer. J'aimerais qu'on prie pour ça. Je dis déjà, être un chrétien ambitieux, si c'est ce genre d'ambition, alors c'est mauvais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aussi que si tu ne vises pas quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas l'obtenir. On ne peut pas aussi rester sans vision. Très important. Je le donne aujourd'hui pour que tu réfléchisses dès à présent sur ta vie. Et que tu réfléchisses sur les choses que tu désires. Présente-les vers le Seigneur afin qu'il épuise tes ambitions. Et puis tu verras qu'il est capable de te les accorder dans le nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Pour toi qui es rempli d'ambition, qui es dans les ambitions, présente-la à Dieu. Tu dis, Seigneur, épure mes ambitions. Sanctifie mes ambitions. Repositionne correctement mes ambitions. I give you my soul.